Tiens ton fusil, ma fille. En plus de traîner ta nouvelle paire de raquettes, tu vas pouvoir te nettoyer un peu les poumons avec de la bonne air, hein? Oui. Tiens, le v'là Léonce qui va voir sa blonde. Il la lâche pas d'une minute. Un vrai maudit talon. Tiens, t'as de la grande visite, Scrubin, hein? Comment ça, tu le savais, toi? Ouais, ça a l'air qu'il y a une nouvelle voyage vite, hein? Oh, t'as bien une belle paire de raquettes, ma Violette, monte dans ça, hein? Mon cadeau de Noël. Ben, hein? C'est ton père qui va faire dur avec sa vieille paire de pattes d'ours à côté. Comme ça, on s'en va au lièvre. Hein? Ouais. Ça va être un beau massacre. Un vrai beau massacre. Ah, oh, ris pas, toi, là, ris pas. Non, non, ma fille peut t'en montrer à toi pas ton gars n'importe quand. Oh, oui, je voudrais voir ça. Ben, tu le verrais. Ah, non, je parlais pas de la belle Violette. Ah, non, jamais de la vie. Je parlais de toi. Hein? Ah, elle, j'ai pas peur. Tout le monde sait qu'elle a une bonne shot, hein. Mais toi, Armand, maudit coquelet. T'as pris une vache pour un chevreuil à 20 pieds. Comment veux-tu tuer un lièvre? Un vrai danger public. Ris pas, ris pas. On sait pas encore qui c'est qui a tué ma vache, hein? En tout cas, personne ne vous a jamais soupçonné, ton gars ou toi. Vous l'auriez manqué à 5 pieds. Non, non. Oh. Continue à poser tes collets, mon Léon, si tu veux en manger. Qui ça? Des collets? Nous autres? Oui, oui, vous autres. Qui c'est que tu dis ça? Serais-tu jamais allé poser des collets dans mon dos, par hasard? Jamais de la vie, voyons donc. Hein? Hein? Bon, ben, étant donné que les jeunes ne sont pas les suites, là, venez donc manger à la maison dimanche midi. On verra bien s'il y a du lièvre sur la table ou s'il n'y en a pas. Ben, Yvon, si ton père mange toujours autant qu'il parle, on est mieux de ne pas perdre une minute dans le bois. Si ta fille n'en tue pas, on mangera des bines. Maudit chialeux! Tu vas voir! Puis, emmène ton cœur avec toi! Mon cœur? Ben, pas toi, t'en as pas! Non, non, t'as ta chérie d'amour! Comment ils vont? Tu me diras pas que ton père t'a jamais parlé de sa Fabienne! Inquiète-toi pas, je vais y en parler. Non, mais salut, Armand! Salut, Violette! Salut! Armand! Oui! Attention de te geler la graine, là! Oui, moi, au moins, j'en ai une à geler! Mais il paraît que pour les veufs comme toi, là, c'est pas dangereux, pantoute. C'est quasiment mort, ça, là. Mais quand ça se choque, ça montre tes dents que c'est dangereux! Salut! Salut! Thank you.
Les lièvres devraient pourtant rôder ces jours-ci. Avec la pleine lune, d'habitude, on dirait qu'ils deviennent fous. Ouais. C'est pourtant pas les pistes qui manquent. Non, non, c'est une belle place. Ah oui. Ouais, ils sont bien peureux cette année. On va le voir un peu plus loin là-bas, là. Ça parle au verre. Je sais pas si ça vaut la peine d'aller plus loin à cette heure. Toi qui as invité tout le monde à dîner, qu'est-ce qu'on va faire? Je pensais plus à ça. Ah ben là qu'on va revenir les mains vides, ma fille. Faudrais-tu aller en acheter à quelque part? En acheter que. Oui. Ben, il manquerait plus rien que ça. En acheter quelque part. Ouais. On peut pas perdre la face comme ça. C'est on clair. Fait rire de nous autres. Mm-hmm. C'est clair. Tu vois la face à Léonce, toi. Il va en profiter. Ouais, pis son gars aussi. Il arrêtera pas de t'achaler avec ça. Oh, il est assez aguissable. Il lâchera plus. Je pense que j'ai un plan. Disons qu'on serait de l'autre côté de cette clôture-là, et celle-là. Ben oui. Disons qu'on serait de l'autre côté de la clôture. On serait en ligne pour savoir ses bornes. Ben oui. Mais on serait aussi sur la terre à Léonce. Ah oui, il y a ça, oui. Il y a ça. Seulement, il a sûrement posé des collets, lui, tout le long de la clôture. Ah oui, il y a ça. Il y a ça. Des collègues, c'est quasiment moi qui ai montré comment il posait aux bons endroits quand on était jeune. Mm-hmm. Je cacherais qu'il a complètement oublié ça aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux? Le monde sont tellement ingrats. Oui. Mais on va laisser des mains belles traces. Oui, il y a ça, par exemple. Ouais. Mm. Il faut dire aussi qu'on serait pas mal mieux abrités pour rentrer chez nous, collet ou pas collet. Avec ça, je peux neiger. Mm-hmm. Et puis, depuis qu'il était ça en amour avec sa vieille fille au village, de lui pour laisser passer 2-3 jours avant d'élever ses collets, mm-hmm. s'il les trouve. Mm-hmm. Seulement, il y a son gars. Ce serait-tu un gars vouloir te faire honte devant le monde? Sûrement pas dans le temps des fêtes comme ça. À part ça qu'on les invite à venir manger chez nous. Oui, à manger leur lièvre en plus de ça. Si ça prouve pas qu'on pense à eux autres, hein? On les aime bien pareil. Non, mais tu nous vois, là, en train de leur faire manger du lièvre qui serait ni à nous autres, ni à eux autres, du lièvre à n'importe qui. Mm-hmm. Puis qu'on aurait acheté n'importe où à part ça. Mm-hmm. Non, pas pensable. Pas pensable. Non. Ça n'a pas de bon sens pantoute. Maintenant qu'on n'a pas tiré un maudit, ils sont à tout prix décollés à Léonce. Ça a toujours été un bien bon poids pour le diable. Ah oui. Tiens, encore un. Ah, ici, c'est pas à craire qu'ils se battent pour venir se prendre au col à Léonce. Hey, regarde donc s'il est beau, celui-là. Attends, évidemment. On va le détacher, là. Oh. Ah! Il est pas mal beau. J'y ai dit ça bien des fois, Léonce. C'est lui qui a toutes les meilleures places du rang.
Bon, ben, on va aller voir ailleurs. Restez. OK, moi, je vais aller voir par là. OK. Un autre! Regarde, il est beau, celui-là. Tiens. Ouais. Un homme qui s'occupe pas mieux de ses collègues, Léonce. T'as une bonne chance qu'il y ait des voisins. Mm-hmm. Pour voir un peu à ses affaires, hein? Ah, pour ça, on est des bien bons voisins. C'est un bel hiver. On vous entend toujours dimanche. Ah, oh, je pensais que c'était une farce d'Armand. Armand, as-tu pris du lièvre, Fouda? Ben oui. 4 ou 5 beaux gros, je crois bien. Va faire un bon fricot. Ah, ben. C'est que là, je crois bien qu'on va y aller, vite. Amenez donc Lucienne à son chemin. Après, tu es toujours de partir? Oui, mais j'essaie de la garder. Les enfants sont tellement habitués à elle. Si je me remarie, là, bien sûr, ça va être différent. Le dos Fabienne, ça fait penser. Ça me donne la chance de la connaître un petit peu plus. Ah, ça. Ça gêne un peu de sortir avec un bœuf. Bon, en tout cas, je vais essayer. Bon, mais à dimanche, hein? Oui, oui, à dimanche. Trop chaudement? Non, je me sens très bien. À force de marcher, on se réchauffe. Ah. J'ai un bon tricot. Oh, Fabienne, on a une fin de semaine pas mal chargée. Demain soir, c'est la partie de vite des chevaliers dans le sous-sol de l'église. Puis dimanche, sais-tu où est-ce qu'elle est invitée? Non. Clairement, manger du lièvre. Manger du lièvre? Oh, j'adore ça. Ah, moi, Fabienne, c'est toi que j'adore. Pas en plein village, Léon. Bon, ben, à dimanche, Fabienne, puis attention de te geler foufoune, la grippe est bien mauvaise. Toujours manger du lièvre chez Armand dimanche? Ah, bien l'air. Comme ça, ça a l'air qu'ils en ont tiré assez pour la peine. Ça a l'air que oui. On peut pas dire qu'on les a tellement entendus tirer l'autre matin. Pas un petit pet. T'as remarqué ça, toi aussi, hein? Je me demandais si c'était pas mes oreilles en vieillissant. Maintenant, avec le vent, on peut jamais être sûr. Ah, c'est ça, le vent.
pas pire. Mais vous seriez pas allé lever nos collets, par exemple? Non. Pourquoi ça? T'es allé, toi? Ben oui. Puis? Rien? Rien. Pas un nulle part. Même pas le queue d'un. Puis pas de tasse non plus. Ah, non, non. Ben voyons, je vous le dirai. Certain? Pas de trace de grand raquette neuve, ni de patte d'ours? Ah, ben non, voyons, justement, il n'y avait rien de ça. Avez-vous déjà entendu dire que le vent pouvait déprendre des lièvres au collet, vous? Non, non. Mais ça, c'est comme les coups de fusil. On peut jamais être sûr, hein? Armand, il est sacrement. Il est pas mal sacrement. Eh bon, ben, qu'est-ce que vous prenez à boire, là? Du vin, du cidre, de la bière. Oh. Et puis, répondez pas tout le monde en même temps, parce que j'ai rien que de la bière. Mais pour vous, mademoiselle Fabienne, pour vous, j'ai un petit spécial. Un petit verre de cognac. Oh non, merci, monsieur Armand. Après le dessert. Bon, au dessert. Qu'est-ce que tu as me regarder comme ça, toi? Regarde-moi pas comme ça, Léonce. Non, non, t'en auras pas de cognac. Le cognac, c'est pour le monde distingué, comme mademoiselle Fabienne. Ah, à part ça, du lieu, ça se mange avec n'importe quoi, surtout avec la bière. Bon, ben, allez-y doucement, parce que la soupe est chaude. Hein? Du lièvre en plein sous mes yeux. Non. Plus sont vieux, plus sont vicieux. Comme Armand. Qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas. Vous en faites donc pas, madame, voyons. C'est tout naturel. C'est de votre faute, Rita. Ça sentait trop bon. Ben oui, il n'y a pas un chat qui aurait pu résister à ça. Écoutez, coudonc. Vous allez bien me prendre pour une sans dessert. Ben non. Ah, on mangera les restes du chat, c'est toi. Ben oui. Puis ça m'étonnerait qu'on en meure. Si c'est bon pour le chat, c'est assez bon pour nous autres. En tout cas, je peux vous garantir hein, qu'il n'y a pas touché à rien d'autre. Oh, oui. Ça va être des chats de braconniers, ça. Pourtant, il n'y a pas de braconniers dans la famille, non? Non. Voyons. Voyons, il va. Pas capable de manger comme du monstre, hein? Il est pas sortable, celui-là. Il en fait jamais d'autres. Ça t'aurait dit que tu aurais trouvé du plomb dans ta soupe? Voyons. Voyons donc, Yvon. Ça peut venir fou. Il a pourtant pas assez bu pour ça. Ah. Bon, ben, y a-tu quelqu'un d'autre pour prendre la soupe? Non, merci. Armand? Hein? C'est moi pour que tu tues tes légumes à la mitrailleuse, ça, c'est-à-dire. Maudit taquineux. Dis-moi. Tiens, prends ta bière. Ça te niaise un peu. Ah, ben. Oui, tiens. Ah. Viens, tu, Rita. Dis-moi, Rita, bon bâtard. Hein? Quelle fumée, une frénésie, une vraie frénésie. Rita a toujours réussi ses lièvres. Oh, Yvon, t'as encore de la soupe sur ton habit.
Hey, regarde-moi dans ça, mon Léonce. On va se bourrer là, hein? Et puis, gêne-toi pas, hein, parce qu'il y en a en masse. Vous aussi, là, Fabienne. C'est bien beau l'amour, mais faut bien manger une fois de temps en temps. Oh, non, c'est toujours très bien pareil. Mais, voilà. À vrai dire, là, Lieuve, je peux pas dire que j'aime pas ça. Non. Mais pour moi, le plaisir, c'est d'étirer. Là, je t'admire, Armin. Hein? Moi, tu le sais, moi, la chasse, c'est... Ça, faut le dire. T'es toujours aussi jeune. Ouais. Ça, c'est vrai, hein? Aussi jeune et aussi fou. Bon, ça, c'est bien vrai. Moi, j'ai pas de raison de commencer à aller... Ça va venir tremper jusqu'aux os. Le rhume depuis le début de l'hiver, mais non. Armand, va à la chasse. Mais oui, mais qu'est-ce que tu veux? Moi, je suis pas comme ceux-là qui se contentent de poser des collets puis de lever ça comme on passe au magasin. À ce compte-là, aussi bien à acheter ça au marché. Ah, là, tu as raison. Puis à mon avis, ça n'a pas le même goût. Est-ce que vous le faites macérer dans le vin blanc, comme le suggère Mme Benoît? Dans le vin blanc? Non, non. Juste quelques heures dans le vinaigre, c'est ça qui fait sortir le goût. Pour moi, le lièvre plie au collet. Puis le lièvre tire au fusil, ça n'a pas le même goût pendant. Ah, arrête-toi donc. Non, non. Dites ce que vous voulez. Le lièvre tiré au fusil, il saigne convenablement. La chair est plus belle. Puis on dirait qu'il y a un petit goût plus sauvage, plus naturel. Pris au collet, on dirait qu'ils s'empoisonnent eux-mêmes. J'ai jamais remarqué ça. Bon, ben là, tu dois pas être content parce que ça, c'est du lièvre qui a été tiré tout vivant. Ah. Officiel, première classe. Ouais. Hein. Les yeux fermés, je peux vous dire, moi, si c'est du lièvre tiré ou étouffé. Bon. Ben, ça, c'est un connaisseur. Ah ben, ça fait plaisir d'inviter du monde qui s'y connaisse à ce point-là. Hein, ma Violette, que ça vaut la peine d'y aller à chasse au lieu, hein? Léon, t'entends parler comme ça, là? Il me semble que je t'inviterai, toi, dimanche. Oh. Ah, oui. Fatigué, pas fatigué. Rhume, pas rhume. Pour un homme qui peut reconnaître les yeux fermés, un lièvre tiré d'un lièvre pris au collet, moi, je dis que ça vaut la peine. Mieux que ça! Les yeux fermés. Je peux pratiquement vous dire où est-ce qu'il a été tiré, ce lièvre-là. Oh. Eh ben. Parfaitement. Ben, dis-nous ça. Où c'est qu'on l'a tiré, notre gibier? Attends, je vais y goûter. Attends un peu. Léon, se pose pas trop, Chris. Ça, c'est du lièvre qui a été tiré. Hein? À la limite de mon champ et de ton bois. c'est pas mal, c'est pas mal. Dis-nous ça, Armand, c'est vrai? Ben, c'est... Hein? Dis-nous ça, toi, ma belle Violette, là. Hein? Ben, oui. Je pense que c'était pas mal proche de la limite. Hein? Vous voyez, hein? Ah. Rien qu'au goût. Bon, je pourrais même vous en dire plus. Ah. Mais ça, vraiment, je pense que ça sera pas tout à fait de ton goût. Ah non? Ben, envoyez toujours. Ouais? Oh, oui. Ah, ouais. Armand, hein? T'as pas tiré ce lièvre-là. Quoi? Armand, t'as pas tiré un de ces derniers lièvres-là. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? Je les ai achetés au magasin? Armand, mens pas. Fais pas ça à un ami d'enfant. Ben, je mens pas. Armand, la vérité est claire comme le nez au milieu du visage. Avoue donc, Armand. Avoue quoi?
Y en a-t-il un seul de vous autres qui a trouvé un seul plomb dans son assiette? Y en a-t-il un seul de vous autres qui a trouvé un seul plomb sous sa dent? Hein? Y a-t-il un seul de vous autres qui a trouvé un os brisé ou un morceau déchiqueté? Hein? Non. Eh ben! Eh ben quoi? Alors? Alors, c'est du lièvre que tout était tiré dans la tête. Dans la tête? Ouais. Je dirais même plus. Du lièvre qui a été tiré dans l'œil. Pas dans l'œil. Pas dans l'œil. Ouais. Ça va mal. Tu pourrais jamais réussir ça en 1000 ans. Ben. D'après moi, c'est. C'est toute ta fille qui a tiré ça. C'est ça. C'est bien. Elle est trop modeste pour le dire, mais. T'as pas besoin d'avoir honte, Dalman. Ben... C'est un honneur pour la famille. A-t-il aussi bien que son grand-père maternel? Hein, lui tirait. Mais toi, Armand, tu l'as pas. Je pourrais même pas tirer un voilier de tourneau. Léon, mon sacrement, je pensais que tu allais m'accuser d'avoir pris ces lièvres-là au collège. Ah, oh, bon, non, jamais de la vie. Hein. D'abord, s'il avait été pris au collège, j'y aurais même pas goûté, ça, tu peux être sûr. Et pourquoi pas? Vous êtes pas sérieux. Vous allez voir que c'est une autre plaisanterie. Voyons, jamais de la sainte vie. Vous n'allez pas me dire que je suis seul à être au courant de la maladie du lièvre. Oh, oh, dites-moi pas qu'on vient toutes de s'empoisonner. Comment? Je suis seul à être au courant de ça? Ben, on m'a demandé à Yvon. À Yvon? Il enseigne ça, lui aussi, à l'école d'agriculture. Oui, c'est une sorte de bécile qui revient à tous les 7 ans. Puis c'est souffrant. Ça donne la cliche. Avec des crampes d'estomac. C'est un vrai poison. Monsieur Léonce, vous n'allez pas faire peur au monde puis leur faire croire que mon manger est empoisonné? Ben non, voyons. Oui, bon, ben, je lièvre comme ça, tu es au fusil. Aucun danger. Vous comprenez bien que vous l'aurez dit bien avant ça, voyons. C'est... C'est pas des farces à faire, là. Non, mais... C'est du lièvre pris au collet. C'est là seulement que le bacille a une chance de se développer. Comprenez? C'est quand il étouffe que le bacille se développe. Pour ça, moi, que j'ai abandonné mes collets. T'as abandonné tous tes collets? Ouais. Voyons, Armand, dis-moi pas que je te coupe l'appétit. Mange, voyons, mange. Ah oui, je vais... Je vais manger, là. Le maudit skidou-là qui vient de nous emmerder par le sort. Bon, ben, je pense qu'il est temps de passer au dessert. Oui, faisons ça. Passons au dessert. Oh. Là que j'ai fait de la peine à ta femme, c'est pas de valeur. Ben, ça veut dire, Léon, c'est... Si c'est une farce, c'est... t'as été pas mal loin. Excuse-moi, Fleur. Mon doux Armand, c'est effrayant ce qui nous arrive. Ben, voyons donc, Lita, qu'est-ce qu'il y a encore? Notre chat est mort. Quoi? C'est le lièvre. Non, Léon, c'est pas un petit morceau de lièvre qui... Mais non, Yvon, c'est pas ça. C'est la maladie du lièvre. Le chat est mort empoisonné. Empoisonné? Puis, nous autres? Ah ben, ça parle au diable. Je me sens pas bien, toi. Je me sens pas bien du tout. Des étourdissements. Non, mais parle pas ça de même, Fabienne, voyons. J'ai mon foin qui en arrache des gens. Je pense que ça fera pas de tort à personne de prendre un sel. Chance en prendre. On peut se retrouver à l'hôpital. Ou même pire. Ouais. Faut appeler le docteur. Oui, docteur. Oh, il faut que je m'allonge, j'ai des étourdissements. Père,
Le docteur, il est en train de dîner chez monsieur le curé. Hey, qu'est-ce que c'est le numéro du curé encore, là? 32-42. Oui, allô, qui c'est qui parle, là? Ah, monsieur le curé, oui. Ben, pourriez-vous me passer le docteur, là? Hein? Bon. Il va venir. Allô, docteur? Oui. C'est le gros allemand. Hey. Bon. Écoutez, là, ça a l'air que tout le monde est empoisonné, cette là. Hein? Ben, ils disent que c'est la maladie du lièvre. Hmm? La maladie du lièvre! Êtes-vous sourd? Hein? Ben, d'après ce qu'on peut voir, là, ça a commencé par le chat. Hein? Hein? S'il est mort? Bien sûr qu'il est mort, le chat. Il est raide mort. Puis nous autres, pas mieux. Hey, dans ces cas-là, là, M. le docteur, c'est-il mieux de prendre un bon sel là, ou bien de prendre un cognac? Ah, ah. Ah, oui. Ben bon. Ben, on vous attend, comme ça, là. Ouais. C'est ça. Ben, il dit qu'il s'en vient de suite, là. Puis il dit de pas s'affoler personne, hein? Pas s'affoler, pas s'affoler. Moi qui avais un bon dessert, puis personne va en manger cette heure. Mon Dieu, que j'ai l'estomac à l'envers. Qu'est-ce que tu veux? Il dit qu'il sait pas si le cognac, c'est bon pour ça. Oh. Hey, veux-tu essayer pareil, toi? Oh. Oh. Ça pouvait me remonter. C'est pas que je me sente tellement malade, seulement c'est les jambes, Moses. Ouais. Je me sens les jambes molles. Ça peut nous aider, c'est parfait. Ouais, ouais. Tiens, ça va? Ouais. En tout cas, j'espère que le docteur va arriver bientôt. Oh, ça serait pas drôle de passer les fêtes à l'hôpital à cause du damné lièvre Armand. Maudit lièvre. Je te dis, moi, Cassie, si j'avais su, tiens. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire, Armand? Ah, tiens, et le docteur. Hey, il n'y a pas à lambiner, hein. Bonjour, docteur. Qu'est-ce qui vous arrive? Ben, ça a l'air qu'on est empoisonné. Le curé. Ah, le chat empoisonné, c'est celui qui est sur la galerie? Ah oui, c'est ce qu'il y a que dehors, là. Alors, le lièvre empoisonné, est-ce qu'il en reste? Ah, oh, ben oui, il y en a un peu dans l'assiette qu'il y a là. Hey, mangez pas ça, c'est pas bon. Ben, c'est sûrement pas poison non plus. Parce que le chat qui est mort, là, dehors, il est pas mort empoisonné. C'est fait frapper par un skidou, j'ai vu les traces. Un skidou? Oui, un skidou, c'est bien. Un skidou? Ouais. Et si ça peut vous consoler, je peux vous dire qu'il a pris un bien bon dernier pas. Allez, non, M. le curé, servez-vous donc. Ah, vous n'aurez jamais mangé du lièvre empoisonné aussi bon que ça. Ouais. Je pense que je conduirai personne au paradis aujourd'hui. Léonce, mon sacrement, c'est toi qui as manigancé toute cette affaire-là. Ah ben, t'es pas mal, sacrement! Prends un coup de cognac. Oui, oui. T'es eu, là? Je comprends que tu m'as eu. Ça va, allez, mes collègues, oh, mon espèce d'étalon, moi.